qu'on voit, c'est qu'il y a une répartition plutôt homogène des tiers-lieux. Il y a des tiers-lieux quasiment dans tous les territoires. Il y a très peu de zones qui sont blanches, si on peut dire, sans tiers-lieux. Ça fait écho à ce que nous, on a identifié au sein de France Tiers-lieux. Nous, on a une définition un peu plus large des tiers-lieux. On a identifié près de 3500 tiers-lieux en France. Donc, on a une définition plus étendue que celle de l'OCIM. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les tiers-lieux, ce n'est pas un phénomène qui est réservé à quelques territoires. On trouve vraiment des tiers-lieux dans tous les types de territoires. Nous, on identifie plus de 60% des tiers-lieux en dehors des grandes métropoles, un tiers en milieu rural. Donc les tiers-lieux, c'est vraiment un phénomène qui concerne l'ensemble des territoires et qui se développe particulièrement d'ailleurs dans les territoires en difficulté. Et on voit que c'est notamment là où certains services de proximité reculent que les tiers-lieux se développent. Ce qu'on constate, nous, à France Tiers-lieux, c'est que les tiers-lieux font émerger des pratiques de recherche et d'innovation en dehors des grands centres urbains, mais également en dehors des cadres habituels de la science, institutions publiques, laboratoires de recherche, grandes entreprises. On voit que les tiers-lieux participent à des formes de déconstruction des frontières entre chercheurs et faiseurs, et on pense qu'ils sont en capacité de devenir des infrastructures essentielles du rapprochement entre la science et la société. Pour donner quelques chiffres, il y a près de 250 lieux en France qui mettent à disposition des moyens de recherche et de développement auprès de leurs usagers. Et ce qu'on voit, c'est que ces tiers-lieux, ils révèlent les potentiels de l'innovation ouverte, en écho avec les définitions et les travaux de l'OCIM. On voit aussi qu'il y a des tiers-lieux qui s'ouvrent à une mixité publique et qui développent des formes d'intermédiation scientifique. Il y a plusieurs tiers-lieux qui sont labellisés d'ailleurs CCSTI. Et on voit que 50% des tiers-lieux ont déjà développé des partenariats avec des acteurs de l'enseignement, et que 28% des tiers-lieux sont déjà en partenariat avec des universités, des écoles d'ingénieurs ou des pôles de compétitivité. Donc il y a déjà des liens très forts entre les tiers-lieux et les acteurs de la recherche et de la science. Et à travers les tiers-lieux, les communautés essaient de créer de nouveaux liens en fait, entre des chercheurs et des citoyens. Et on voit qu'il y a de plus en plus de tiers-lieux qui se définissent comme des laboratoires de recherche citoyens. Ce qu'on voit aussi, c'est que les tiers-lieux créent les conditions d'une forme de science ouverte. Ils se définissent comme des espaces de libre contribution. Donc, ils ouvrent la porte à une forme de science contributive, participative, et ils permettent le croisement de savoirs avec notamment des formes d'éducation populaire. Pour donner un chiffre, on voit que 23% des tiers-lieux souhaitent mettre en place des démarches de recherche-action, soit près de 800 projets de recherche-action potentiels ancrés dans les territoires. Et donc, pour nous, ces tiers-lieux, c'est vraiment des lieux de R&D territoriale. On voit que les tiers-lieux se positionnent face aux grands enjeux sociétaux. Par exemple, le tiers-lieu Sainte-Marthe à Grasse, qui est pour nous un peu un exemple de tiers-lieu de recherche, a lancé un projet qui s'appelle « Vers un écosystème territorial de R&D au service de la transition écologique et solidaire ». Et donc on voit que ces formes de R&D qui se développent dans les tiers-lieux, elles vont nous permettre demain d'envisager des réponses aux enjeux sociétaux et notamment aux enjeux de la transition écologique et solidaire. Et pour nous, les défis auxquels vont faire face les tiers-lieux, c'est un, de convaincre, ne pas se refermer sur eux-mêmes et essayer de s'ouvrir de plus en plus de public, se pérenniser et ne pas s'épuiser, parce qu'on voit que les tiers-lieux fonctionnent beaucoup grâce au bénévolat et à l'engagement citoyen, mutualiser et faire réseau. Pour justement se pérenniser, il y a besoin que les tiers-lieux travaillent en réseau et mutualisent des ressources, des moyens. Et enfin, il y a un enjeu de mettre en place les conditions favorables au rapprochement entre science et société, mettre en place les conditions favorables à la contribution citoyenne.